Et voilà, nous y revoilà donc sur l'écran d'accueil. Hein, on ouvre sur l'écran d'accueil. Donc on va aller sur le Laonova 83, mon compte principal, qui devient de fait le compte support de la chaîne. J'ai complètement lâché le reroll, voilà, je le fréquente plus trop. Parce que bah, plus le temps. Et puis je fais du gros step-up sur ce compte-là. Et c'est pour ça que bah, je compte sur cette super summon pour me faire un kiff, pour faire des bonnes def sièges, évidemment. Alors, il y a aussi les rerunages à retravailler, tout ça, tout ça. Je suis en campagne de farm intensif, que ce soit de runes et gemmes et autres meules sur le raid. Là, j'ai fait toute une semaine raid. Bon, j'ai pas trop fait le bilan, mais de ce que j'en retiens, ça a pas non plus drop de la folie. Mais ça m'a permis en tout cas de faire la mana suffisante pour aller summon. On va check tout ça vite fait. Hop, on est parti. Voilà, donc bon, on a un petit peu d'énergie à récupérer, ça on s'en fout. Là, ici, un peu de velin, enfin un peu de mana. Alors, mea culpa, sur la GVG d'aujourd'hui, j'ai complètement derp, j'ai même pas pensé à y aller. Voilà, bon, bah j'ai loupé toutes les GVG d'aujourd'hui. Bah, c'est normal, c'est Noël en même temps, hein, les gosses, la famille, etc. Toi-même, tu sais, hein. Alors, je sais qu'il y en a parmi nous, dans la AK, en tout cas, les gars plat AK, j'allais oublier, qui ne fêtent pas Noël. Bah, je leur souhaite quand même d'avoir de bonnes vacances, de passer de bonnes vacances. Et puis pour ceux qui auront eu l'occasion de summon sur leur compte, j'espère qu'ils ont drop un petit peu des trucs assez sympas. En tout cas, on a vu pop hein, dans les chats, franchement, pas mal de grosses bestioles qui sont arrivées. Et notamment l'ami Cabros. Alors, désolé, j'écorche parfois les blasts parce que je connais pas. Voilà, Cabrus. Alors, Cabrus, attention. Hein. Cabrus, il nous a sorti le Liam, hein, le Swordmaster O, qui a l'air vraiment excellent. La petite Tomoe, qui a l'air bien casse-pied aussi. Dans le même genre, moi j'ai Shizuka, Omnuji O. Tomoe a l'air plutôt sympa. Puis en plus, Tomoe est Deadspeed. Deadspeed 24. Donc, GG à toi, Cabrus. Et Cashmere. Cashmere qui a l'air de faire d'énormes dégâts. Avec un lead précis qui peut être pas mal. Donc vraiment sympathique. Très beau drop par ici. Et puis il y a eu d'autres. Il y a eu pas mal d'autres drops hein, quand même. Hein. Donc un beau bilan là, de ces dernières semaines. Et puis, à voir après sur le terre-terre un petit peu comment ça va se passer sur les monstres, les runages, etc. Surtout les nouveaux. Moi, je suis là aussi beaucoup pour les nouveaux. On va faire un petit check-up. Là, voilà, paf, sur le Summon Edge. Alors, je suis toujours sur Summon Edge des 7 ans. Hein, je l'ai laissé. Je changerai pour celui des 8 ans. Le truc normal, franchement, ça ne me dit pas de le refaire. C'est pas très décoratif, etc. Ça donne pas envie. Eh bien, on a du velin SWC que j'avais toujours pas summon. Alors là, je pense qu'on va un petit peu changer tout ça, la wishlist. Je vais voir en fonction de ce que je drop sur les autres velins, de toute façon. Mais c'est vrai que moi, bon, le lead speed Vanessa m'intéresse beaucoup, avec son passif de revive et son revive en spell qui pourrait m'intéresser, parce que j'utilise des monstres un peu fragiles, mais bon, qui tapent fort, et donc j'ai un peu besoin de cette couverture-là. Puis le lead speed 33, tu penses bien, hein, avec un bon boost ATB derrière, bien costaud, bien rapide. Tel Eshir que moi j'utilise beaucoup. Je snipe du Ganymède aussi, le roi des fées. C'est mon gameplay, tout simplement. Avec en plus là une précision arène 55% qui n'est pas négligeable. Même si c'est pas de base ce qu'on va jouer forcément en arène classique. Mais en RTA, ça pourrait être un lead de substitution qui pourrait être bien. Voilà, le contrôle ATB AOE, le recul CD, le glance, etc. Donc ça, je kifferais l'avoir. Savannah, que j'aime beaucoup, c'est du boost ATB, c'est du break def en AOE. C'est beaucoup de dégâts, énormément de dégâts. C'est du strip avec des dots. J'aime beaucoup. Hein, c'est un peu ce que j'aimerais avoir. Sur les 4 nats, bon, on est parti sur du skill up. Le lead speed Jamir aussi, me plairait bien. Lead speed Jamir avec aussi du recul CD, il me semble. Réduit 40% de chance, vitesse d'attaque, donc il y a du slow. Alors faudrait voir éveiller parce que je, mais il me semble qu'il y a du supprime tous les effets nocifs sur tous les alliés et toutes leurs compétences deviennent immédiatement disponibles. Voilà, c'est ça, c'est du refresh CD. Voilà, du Gany, du Jamir. Bon, il y avait Miles hein, que je cours après, qui je cours toujours depuis qu'ils ont sorti ces foutus surfeurs. Je sais pas pourquoi, c'est un truc, c'est comme ça. Je veux du Miles. Abelio, on m'a conseillé Abelio pour sustain l'ami Airtate, hein, l'empereur des foudres d'arc que j'ai et puis que je joue alors énormément sur mon compte, hein, c'est évident.
Donc on m'a conseillé Abellio, il y a un petit peu de boost ATB, il y a beaucoup de sustain, il y a aussi de la provoque du coup pour couvrir un petit peu, donc c'est pas mal. Donc voilà la wishlist 5 nattes qu'on a. Et puis ça c'est les 4 nattes, c'est surtout pour du skill up, hein. Tu penses bien que Carcano, tout ça et compagnie, c'est surtout pour aller avoir du skill up. Le boost ATB de la petite danseuse Olam là aussi qui m'a l'air sympa, je voudrais quand même tester cette petite danseuse Olam. La danseuse du ciel qui est devenue lead speed 28 en guild, donc pourquoi pas s'en monter une. Et puis d'avoir un truc un peu costaud. Là, c'est pour mon refroidissement que je suis en train de monter. Je commence tout juste à monter un refroidissement, c'est vous dire le scandale. Du Yunou, ça me plairait bien pour monter mon Yunou. Et puis bah, du Fuki. Alors pourquoi pas du Kaki ou du Suiki. De toute façon, ça finira en skill up tout pareil. Mais voilà. On a le Transcendance. Le Transcendance, messieurs, dames. Là, on a au moins un 5 nat garanti, hein. Alors, on va essayer de voir un peu, de faire des pronos, des prévisions de ce qu'on peut drop. Moi, je table franchement sur tout ce que j'ai en velin. Ce serait pas volé d'avoir au moins 4 ou 5 nat 5. Honnêtement, ce serait pas, d'après moi, pas volé en vrai. Voilà, on a 11 velins légendaires. Donc, ah oui, on a oublié le tout attribut. Donc, velin légendaire, tout attribut, on en a 5. Super sympa. 11 légendaires plus 4 ici avec les morceaux. On est sur 15 légendaires. Donc, là, quand même, il y a peut-être potentiellement de quoi sortir. Ça peut derp, hein, je vous cache pas. 19 Dark and Light avec ici 6 invocations supplémentaires. Donc, on est sur du 25 Dark and Light. 30 velins haut, 32 feux, 27 vents. 27 vents, pourquoi? Bah, c'est celui que j'ai drop le moins. Je sais pas trop pourquoi, c'est comme ça, c'est la RNG du jeu. 500 velins mystiques. Je voulais absolument avoir cette barre fatidique des 500 velins mystiques. Ça va être ma grosse summon de l'année. Et puis, bon, les scamstones, ça, bon, tu sais quoi? Il y a Gany ici, juste pour le principe. Et c'est là que je te sors un Gany. Alors là, je deviens fou. Non, c'est du 4 nat. C'est la virtuose feu, bon, elle peut être pas mal aussi, un petit boost ATB, il y a du break attack sur l'instrument, là, quand elle joue de l'instrument, la mélodie de l'amertume ou un truc dans le genre. Bon, c'est pas ce que j'aurais préféré, moi j'aurais préféré taper un petit Zeros éventuellement ou le Gany. Je mets une petite pause, je reviens dans quelques minutes. Ok, donc ben voilà, on vient de se drop la petite merdaille là, hein, la petite virtuose feu, bon, ben voilà. Ouais, Zeros, bon, elle un peu moins. Joséphine, je crois que c'est pas trop fan. Et puis, bah, Gany, hein, Gany, ce serait sympa de l'avoir, mais bon, ça n'aura pas été le cas aujourd'hui. De toute façon, les Scamstones, tu sais bien comment ça se passe. Eh bien, j'ai envie de te dire, alors, oui, wishlist, ouais, bah voilà, bah, grosso modo, on a fait le tour, hein. Gany, Jamir, pour son lead speed 24, sympa. Et puis après, bah, de la Beast Rider, hein, que ce soit. Même Barbara, ce serait cool, j'aimerais bien. Barbara, Savannah, même Masha, ça me dérangerait pas du tout. Hein. Après, comment je la jouerais, à voir dans mes drafts ce que je peux en faire. Mais ouais, ça serait sympa. Tiens, j'ai vu qu'il y avait un nouveau truc là. C'est cool l'histoire. Ah oui, c'est ce que je viens de sortir sur la semaine. Ouf, allez, c'est parti, croisons les doigts, je rebalance un peu de son quand même. Hop, histoire que ça soit pas trop tristoun, parce que bon, bah, comme je suis tout seul, évidemment, pardon, ça va être un petit peu platouné. Donc je vous laisse le son. Et puis bah, moi je go invoque. Alors, hop, on a la petite stèle, voilà ici. Et c'est parti les enfants! Allez, go les premiers velins! Hop, c'est parti! Et on ouvre les festivités. Alors, j'ai pas fait de rangement, tout ça, je ferai au fur et à mesure. C'est un peu à l'arrache, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de la Harmonia. Super. Bon, bah, écoute, c'est. Voilà, de la petite étincelle, on va dire. Alors, 2 étincelles, feu, 4 nat. Ça promet pas mal encore de mode feu, j'ai l'impression. En général, t'as des trucs comme ça, des signes un petit peu qui trompent pas. Et bah, encore, deuxième étincelle, c'est reparti pour un tour. Qu'est-ce que c'est? C'est la Kitsune Feu. Bon, super, j'en avais vachement besoin. Ok, alors ça c'est encore les drops, les fake drops là qui vont être casse-pieds. Étincelle, qu'est-ce que c'est? C'est du Capitaine Pirate Feu. Bref, c'est génial. Alors dans certaines compos il a l'air pas mal, je le croise un petit peu de temps en temps dans certaines circonstances. Avec le stun, etc., c'est pas trop mal, bon, à voir. La momie feu, tout le monde s'en branle. Hop, machin, harpy, tout ça. Bon, bah là, ça va être le festival des 3 nattes à foison, évidemment. Du Spectra, qui est déjà bien largement monté, bien largement. Ah, peut-être pas full skill d'ailleurs, mon Spectra. Enfin, peut-être que je me penche sur la question.
pourquoi pas. J'utilise encore beaucoup. Aussi, il y a pas mal dans certaines circonstances. Quand je veux T1, par exemple, essayer d'handicaper une team avec du slow et du break attack. Et puis, un petit peu de contrôle ATB AOE. C'est surtout ça qui est cool. Les dégâts sur les max HP ennemis. Et puis monstre du deuxième éveil, donc ça veut dire des stats par rapport aux 3 nats classiques qui sont un petit peu plus OP. Donc ouais, c'est un monstre qui m'est encore fort utile, encore en ce moment, ne serait-ce que le TOA, TOH, hein, pour les boss, les étages boss, c'est très utile. Et puis dans certaines circonstances, notamment en siège, hein, des fois, pour un peu aller emmerder des teams Kun, Skogul, Vigor, à condition d'avoir les runes aussi et compagnie. Mais voilà, et effectivement, je l'utilise encore beaucoup, donc pourquoi pas aller le full skill. Ah, justement, tiens, on parlait de Kmoun. Tu vois, regarde, qu'est-ce que je te disais? Là, c'est sous le signe du feu. On est sous le signe du feu parce que on a sorti la Sitar Feu, on a sorti la Kitsune Feu, on a sorti Harmonia, donc la harpiste feu. Et puis là, c'est Anubis Feu. Moi, ça attaque pas mal, quoi. Ça attaque pas mal sur le feu. Donc je pense que si ça se trouve, si je drop une des fameuses forgeron au marteau unique, ça sera certainement, j'ai l'impression, la feu. À la limite, si je chopais le Sword Master Feu, alors je sais plus son nom, c'est Carlos je crois, un petit Carlos, je vais te dire, je vais pas me plaindre, encore du 4 nat feu. Eh tiens, qu'est-ce que je te disais, regarde-moi ça, la forgeronne au marteau unique feu, je suis pas surpris, c'est, voilà, pas surpris pour dessous, incroyable, c'est incroyable, franchement j'aurais pas mieux prédit, donc je disais sur les pronostics, oui, avoir au moins 4-5 nat 5 me paraîtrait pas du vol, un petit Dark and Light bien sympatoche, pourquoi pas, un petit Mugwol, hein, Mugwol que j'ai vu à l'œuvre avec l'ami Marco, big up à toi Marco de la AK. Pourquoi pas, ça serait pas mal. Du Ragdoll aussi, hein, je dirais pas non, c'est sûr. Et puis après, il y en a sûrement d'autres, mais que je connais beaucoup moins parce que je maîtrise beaucoup moins les Dark and Light. Et puis il me reste encore beaucoup à apprendre sur beaucoup de monstres. Hein, donc, effectivement, la petite Mei qui est sympa aussi. Bon, du Khan. Khan que je vais peut-être me monter aussi, il a l'air sympa. Alors, Khan, il y a aussi le Shaman, je crois, le Aman, Shaman. Le Griffon Light là en deuxième éveil aussi qui a l'air plutôt très très fort, hein. Pareil, je l'ai vu à l'œuvre, c'est l'ami Marco là qui drop ce petit monstre sympatoche. Emma, tiens, Emma Mob Fusion maintenant, donc très facile à obtenir, donc bon, ça fera toujours du skill up éventuellement pour une future Emma, parce que pareil, hein, j'ai une Iliana qui est 6 star full skill, full level et compagnie, donc bon. Avec les fusions hein, d'ailleurs qui nous ont mis sur la Rylai, hein, souvenez-vous la totémiste vent. Du Neostone vent, ça, Osef total. On va faire du rangement, tant qu'à faire, parce qu'on va peut-être se faire vraiment la place donc, pour vraiment être tranquille, pour bien summon à l'aise. Voilà, feu, 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 feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 4 nats, pardon, du feu. Qu'est-ce que je t'avais dit? Hein, c'est incroyable, j'aurais pas pu mieux prédire que ça, c'est juste, ça me fait halluciner, c'est con comme la lune hein, pourtant, hein. C'est débile, hein. Mais moi ça me fait juste halluciner cette prédiction sur la forgeronne, alors c'est juste incroyable quoi. Voilà, un peu de la foudre, de la foudre, de la foudre, de la foudre, peut-être un papy bourré feu, pourquoi pas aussi, en knocker là qui a l'air assez fortiche. Notamment sur la Special League. Hein. Alors bon, moi la Special League, là j'ai essayé d'y rentrer un peu, honnêtement, Alors jusqu'au F1, donc Fighter 1, tout se passe bien. Puis après, quand il s'agit de monter Fighter 2, Fighter 3, puis alors C1, on n'en parle pas. Je suis en PLS, mais ça c'est mes runages qui sont un petit peu dégueulasses. Et puis manque de... Enfin, la box qui est pas encore super fournie, même en 4 nats, hein, il me manque encore des bons trucs. Alors, j'ai des trucs pas mal en réserve, là, qu'il faudrait que je me décide à monter, quand même. Et que je n'ai toujours pas fait. Vous avez dû voir pop aussi l'ami Daphnis ici. Alors vous voyez, on parlait de Shizuka tout à l'heure. Daphnis, un de mes derniers drops. Bon, j'en suis un petit peu revenu. On a le Rakan ici qu'il faut un peu ruiner. Le Perna qu'on a depuis un moment. Etc. Vous voyez, il y en a que je vous disais. Donc elle est full skill, elle est toute opérationnelle, nickel. Runé, artefacté et compagnie. Ça qu'il va falloir monter 6 stars assez vite parce que c'est hyper, hyper utile. Ça c'est mes food Lulu, donc pour ma Lulu 2A que je vais full skill avec tout ça.
Les Max 25, on va les enlever. On retirera. Ça, c'est de la foudre pour faire je ne sais plus quelle fusion. Voilà, 28 places. Écoute, c'est parfait. On va pouvoir avoir la place pour summon gentiment. Allez, on y retourne. C'est parti. 444. On a fait une soixantaine quasiment de vélins. Bon, pour l'instant, hein, ouais, tu vois bien hein, que du 4 nattes. Beaucoup de feu. Voilà. Bon, bah, écoute, c'est un peu la soirée. Ça va être la soirée du feu. Donc. Du 5 nat feu, peut-être shampoing me plairait bien au jour d'aujourd'hui. Dans mes drafts pourrait me servir éventuellement. Tiens, un fake encore. J'ai pas vu qui c'était, un petit fake 4 nat. Étincelle. Alors je laisse les étincelles, même si des fois on sent que c'est du 4 nat. Là comme tu vois, du kaki, c'est merveilleux. Je vais pouvoir un peu aussi monter mon kaki qui n'est toujours pas fait actuellement. Alors pourquoi? Bah tout simplement parce que moi j'aime bien sortir les mobs full potentiel, donc ça veut dire full skill assez rapidement. Donc j'ai tendance à les laisser de côté, un petit Ludo, à les laisser de côté un bon moment, le temps de drop ce qu'il faut pour toute la foudre pour les monter. C'est pour ça que je galère un petit peu parce que bah, ma box ne sort pas beaucoup. Kaki et la Kung Fu Girl feu, c'est la soirée du feu, hein. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Hein. C'est juste incroyable. Après 5 nats de feu, peut-être Belenus me plairait pas mal, mais non, très limité dans son skill set. C'est pas forcément, je cours pas forcément après. 5 nats de feu, peut-être le Karnal, mais Karnal c'est pas mon gameplay. Alors je joue pas mal Bruiser, mais avec des dégâts au milieu et Karnal, je sais pas. Je le sens pas dans ma box forcément bien. Et voilà la martelleuse runique haut. Ouais, j'aime bien la skin, hein. Même de base, elle est sympa avec le petit bandeau sur l'œil et tout. C'est plutôt cool, quoi. Hâte d'éveiller tout ça, de monter tout ça. Allez, le back-to-back. Qu'est-ce que c'est là? C'est du 4 nat encore. C'est qui? Oh, ouais, d'accord, c'est Julien. Ouais, super, génial. J'avais besoin d'un Julien, justement. Je me demandais quand est-ce que j'allais le drop celui-là. Bon, on sait qu'il y a toujours les petits drops tordus là à la con, hein, tels que celui-ci, hein, qui ne s'utilise jamais. Le Emos qui est déjà pareil, full monté, je crois quasi full skill. Étincelle, étincelle. Alors, on devrait quand même en avoir beaucoup. Oh là 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 là. Le Cachemire. Alors je l'ai en riouvant. Bah, le Vlan Cachemire, bah, ça va me faire des offenses à faire sympatoche, je pense, hein, en siège. Parce que je pense que ça peut faire de la belle offense, ce truc-là. Ça fait des dégâts, hein, ça a du potentiel de ouf. Ça a pris un up en plus il n'y a pas très longtemps. Parce que bon, c'était un petit peu tordu là au niveau de son passif. Avec le fait de pouvoir poser le BDF, enfin il y avait un bail comme ça, et puis là c'est bah, tant que le strip ou le BDF est pas passé, bah tu regagnes un tour. Enfin ton skill 3, je crois, c'est sur le skill 3 que ça se passe, se réinitialise tout de suite. Et ça fait d'énormes dégâts ce truc, hein. Les strikers sont plutôt forts en dégâts, même si on les utilise pas forcément tous en nuker. Le feu a l'air aussi très 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 casse-pied dans son style, hein, très très dangereux. Ok, donc on skip évidemment ce genre de merdouille. Hop, on a du Arg, donc Raccoonie, pareil, qu'il va falloir vraiment que je monte. Ça va être temps, hein, parce que c'est très très fort aussi. Le boost attaque, le boost ATB, pardon. Le remplissage d'ATB, même directement, c'est insane. Donc, ouais, il faudrait que je m'en monte un quand même. J'ai de quoi en plus, je suis sûr vraiment le monter full skill très rapidement. Il serait temps que je m'y mette. Petit Akami sur les étincelles, mais ça revient, qu'est-ce que ça va être cette fois? Est-ce que c'est encore du feu? Ah, c'est du car... Non, c'est du carcano, encore du... Bah voilà, l'étincelle de feu, l'étincelle enflammée, ce soir ce sont les étincelles enflammées, voilà, tout simplement. Pardon, je faisais un petit check-up au niveau du son, je fais un petit monitoring, ça sonne toujours, bon... Ah oui, c'est pour vous, hein, que vous ayez un petit peu de son aussi, que ce soit pas trop emmerdant, quand même. Voilà, je manque de compagnie, je m'emmerde un petit peu, mais bon, à une heure pareille, qu'est-ce que tu veux foutre, hein, 25 décembre, c'est pas... Voilà, faut pas s'étonner non plus, hein, quelle idée, moi, d'aller venir comme un marteau, là. Mais bon, comme j'expliquais tout à l'heure, plus tôt, là, dans l'intro, c'est une question de planning, quoi. C'est vrai que là, pendant 2 jours, les plannings vont être un peu bousculés. Et donc, on n'a pas le choix que de venir summon maintenant.
Alors, toujours pas de Sword Master. En tout cas, c'est vrai que Carlos, non, toujours pas. On va voir, hein. On continue, on continue. On a encore beaucoup de velins, beaucoup de chances de drop. Tiens, regarde-moi ça! Gargouille feu, Katna de feu! Des étincelles de feu. Voilà ce qu'on a, les étincelles de feu. C'est c'est vraiment incroyable. Ah là là là. Il y a des summons comme ça, tu vois, hein, c'est placé sous signe d'un élément, quoi. Hein. Y a pas à chier. Et moi là ce soir c'est l'élément feu. Voilà, pour un 24, un 25 décembre, pardon, c'est-à-dire en plein milieu quasi de l'hiver. C'est assez étonnant, assez surprenant. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la RNG. Beaucoup de katana de feu jusqu'à présent. Bon, je m'en plains pas, j'ai du kaki, j'ai du carcano pour skill up, c'est excellent. J'ai chopé déjà deux forgerons marteau runique, la feu là-haut. À voir après sur le terrain ce que ça va donner. Mais bon, un petit Carlos, ouais, un petit Carlos, ça m'hyperait bien. Et puis, bah, toujours pareil, hein, dans les surfeurs, ça sera toujours Miles qui sera visé en premier, évidemment. C'est celui qui me paraît, moi, dans mon gameplay le plus intéressant. Et, avec un peu de contrôle, avec pas mal de dégâts, un passif qui stack aussi, donc de la cleave sur la durée. Ce qu'on appelle vulgairement la slow cleave. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, du galion. Bah, c'est pas mal parce que j'ai besoin de skill up pour mon actuel galion qui n'est toujours pas forcément bien monté. Pourquoi pas mettre même en monter un deuxième d'ailleurs, ça pourrait être fort utile. On regarde encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 6 katana de feu. Et le fake Kali. Alors, ça, c'est vraiment marrant aussi. Le fake Kali qui s'est glissé au milieu de tout ça en katana de feu, évidemment. Hein, puisque c'est un fake qui est sorti éveillé, donc 4 étoiles, et donc ça rentre dans ces considérations-là, tout simplement. Et là, ah bah je me retrouve à retrouver du géant feu, ça faisait longtemps géant feu, j'en avais un stock pas possible là, pour monter mon Skogul, que j'ai donc monté full skill grâce à ces guerriers géant feu, et là bah il m'en recolle, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu revenir comme ça sur mon compte. Bon là il n'y en a qu'un, hein. On peut pas dire que c'est l'alpha et l'oméga, mais... Ah, du Huan, pardon, Papy Huan, que j'aime beaucoup, que j'avais beaucoup joué sur le reroll, qui m'a été d'une grande aide sur le reroll. Est-ce que je me ferais chier à en monter un sur ce compte-là? Pourquoi pas, mais... Ouais, si, pour de l'offense, hein, quand même, en vrai, moi je te dis, ça peut être jouable. Offense bruiseur, il y a du soin, il y a de l'anticrit, il y a du Heal of Time. Pourquoi pas? Pourquoi pas un petit Yuan, puis en plus Signor Def S1, Break Attack, franchement ça peut être cool. Allez, on continue, on continue. Bon, on aimerait bien avoir un peu plus d'étincelles 5 nattes. On en a déjà, hein, on a déjà le petit Cachemire, hein, qui est sorti, c'est quand même sympatoche. Oh, du Luchenne, on va pouvoir voilà, se pencher aussi peut-être sur le montage d'un second Luchenne éventuellement. Un speed Luchenne, parce que j'ai un very slow Luchenne qui fait de gros dégâts, hein, qui me sert aussi notamment pour le prédateur. Mais derrière, pour aller faire du PVP, c'est pas forcément jouable parce que beaucoup trop lent. Hein. Après, ça peut se retravailler. La Rakshasa O, que je ne connais pas bien, bien, bien. Mais qu'on voit en démonstration là dans la stèle, enfin dans le centre d'entraînement, qui est draft avec d'autres trucs, donc qui pourrait être intéressant éventuellement à tester. Pourquoi pas? Voilà, c'est les drafts aussi, hein, là, le runage, les drafts, hein, très important quand on a des monstres à vouloir tester. Et encore, encore du katana de feu, c'est juste incroyable. Back to back, est-ce que c'est le back to back 5 nat? Est-ce que c'est le Carlos? Et non, c'est l'ami Sian. L'ami Sian, Sian méga chiant. Comme j'aime l'appeler, ça me fait rire. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein, la bonne blague. Alors je joue pas Bomber parce que j'ai pas de Syrah et que ça ne m'intéresse pas d'aller encore chercher les compos Stripper Bomber. Mais si je drop de la Syrah et puis du John, là tu sais le Surfer Céleste Feu, pourquoi pas me pencher avec le Sian à une grosse team Bomber. Ça pourrait être sympa, ça pourrait donner des résultats. Allez on continue, Sorcière Mystique et compagnie, ça c'est les 3 nattes, on s'en fout. De la Michelle, de la Momie, du Pingouin. Du chat martial, donc mail que j'ai monté, que je vais sûrement. Je crois que j'ai même mis le skill up. Ah, j'ai. Ah, bah, c'est la succube. Oh, j'allais dire, j'ai skip une étincelle, mais bon, celle-ci, c'est pas des plus graves. Encore que, elle est quand même pas mal, la succube O. C'est pareil, hein, des teams un peu comme ça, dodo, un petit peu sur des defs, je sais pas, à voir, peut-être.
On n'en voit pas un, mais moi j'étudierais bien pour la science des trucs un peu comme ça. Des trucs qui pourraient surprendre le chaland. C'est-à-dire les mecs qui voient Medef, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce noob, qu'est-ce qui nous met là? Et puis peut-être se faire arracher une offense ou deux. Et... histoire de les planter un petit peu dans leurs attaques. Voilà, trouver des compos, des trucs un petit peu sympatoches. Alors je sais qu'il faut jouer méta, ça je le sais bien qu'il faut absolument jouer méta dans les. Dans les devs sièges, les devs GVG, enfin quoique GVG on est souvent en troll donc on s'en fout un peu. Mais oh, ouais, on me dit beaucoup, voilà, les devs sièges, faut, c'est bien d'être méta. Mais n'empêche que pourquoi pas sortir une ou deux devs surprises, tu sais, en fin de siège pour éviter des fois de se faire un peu revenir dessus. Alors là on a eu, c'était pas Chimitae, je ne crois pas, à revoir. Oh, encore une forgeron feu, très bien, très bien, moi je prends. Alors j'avais vu Mr. Wendy, un petit big up à Mr. Wendy là dans ses analyses sur les monstres et tout. Ouais, le combo forgeron feu kaki qui pourrait être plutôt très opérationnel. Pourquoi pas tester, hein. Pareil, il y a sûrement peut-être aussi sur des defs, hein. Des defs sièges qui peuvent devenir chiantes comme ça avec la truc. Ah, une lupinus. Bon, plus vraiment besoin au jour d'aujourd'hui, hein, le balègre a été fait. Oups, oula, je suis sorti du truc, pardon. Le balègre a été monté, mais peut-être je réfléchis à me monter un deuxième balègre, plus axé sur le préda, quand on peut le sortir pour le préda. Pourquoi? Parce que mon balègre BJ5, ben, son taux crit est vraiment trop bas. Je ne peux pas leur toucher de peur de désynchro ou de poser des problèmes sur ma BJ5, donc peut-être je vais me montrer un petit deuxième balègre. Pour spécialement runer prédateur, je pense. Ça pourrait être sympa. Parce que bah, j'aime beaucoup Balègre. Et c'est très efficace. Hein. Enfin, en vrai, si t'as le bon taux crit, si t'as les dégâts qui suivent derrière, ça peut être très efficace. C'est une réflexion qui se fait un petit peu autour de Balègre. Pour faire du préda. Bon, bah, grosse accalmie. On va être sur le ventre mou des velins. Ah, encore que. Tu vois, regarde, je parle. Et bim, encore une étincelle. Qu'est-ce que c'est? Et c'est encore, c'est quoi, Sylphide? Bah si, ça doit pas être le... Non, c'est pas un lead speed, donc c'est pas le Chimitae, c'est, je sais plus comment ça s'appelle. Renouvelle pause, à de suite, je reviens après l'académie de la chaudière. Ok, toutes mes excuses, j'ai des petites coupures là, c'est parce que tu sais bien, hein, je suis dans la chaufferie, quoi, et du coup, bah, comme on est en plein hiver, bah, ça balance un peu de temps en temps la sauce. Donc la vidéo, bah, du coup je vais peut-être en profiter pour essayer d'entrecouper à ces moments-là et puis essayer de trouver des techniques de montage. Hein. Bon, c'est normalement c'est la petite soupe derrière boutique, mais tu sais ici hein, on n'est pas des professionnels, on fait un peu les choses à la bonne sauce comme on peut. J'en ai profité du coup pour aller check l'événement là des nouveaux monstres, donc récupérer quelques rewards et notamment bah, en petite rallonge de velin. Et là, ce que je vais faire en parallèle du coup, parce que comme bah, il reste plus que 2 jours et qu'il faut un peu essayer de récupérer ce qu'il faut, il y a quand même des cristaux, il y a encore des velins récupérés et compagnie, je vais balancer des runs XP avec la forgeron feu, parce que je pense que ça va être la priorité des priorités pour moi à monter tout de suite, et puis c'est surtout pour aller choper les derniers rewards, quoi, en fait, hein, pas rater le coche, quoi, tu sais bien. Et donc, bah, on va balancer du run XP avec la petite forgeron. Alors, je crois pas avoir de double XP à disposition, mais bon, c'est pas grave, c'est pas dramatique, on s'en fiche un peu. On va aller éveiller, la petite forgeron feu. Alors, on va voir son nom, tiens, justement, on va en profiter, on va découvrir son nom. Myriam, voilà, on va éveiller Myriam et puis avec son lead, alors un lead défense 40%, alors ça c'est un beau lead def, hein. Un beau lead def pour les contenus de guild à mon avis, ça va être pas mal pour Kaki, un beau support, donc je pense que le runage va se faire en mode extrêmement tanky, voilà, pas mal, beaucoup de PV, hein, pas mal de def aussi, je pense qu'il va falloir de la précision parce que je crois qu'elle a voilà du stun 30%, alors... Pareil, on va essayer de voir à faire... J'espère en drop quelques-unes quand même pour pouvoir un peu vraiment booster les skill-up. Donc c'est l'augmentation de la puissance d'attaque et de la défense pour 2 tours qui est très intéressant, donc pour le côté kaki. Ça c'est la première des choses.
Et avec la mention Great qui s'active et ça génère un bouclier. Alors ça c'est vraiment qui vont absorber les dégâts pour 2 tours. Le montant du bouclier est proportionnel au niveau. Donc on va la monter full skill. Et puis essayer de choper bah, pour avoir les deux. Surtout le skill 2 qui serait pas mal à avoir full skill pour gagner les tours de cooldown. Et puis le passif quoi. Le passif qui augmente de 25% les effets d'augmentation d'attaque et def. Donc vraiment pour Kaki, elle est taillée au ciseau à bois quoi. C'est vraiment, elle est faite pour rentrer dans une compo Kaki avec éventuellement peut-être un soin à côté, un sustain avec du d'huile éventuellement. On peut penser à de la Fran, on peut penser à de la Louise, mais bon, je pense que ça serait plutôt pour faire une tour 4 nat, donc peut-être une Illyana aussi hein, qui va nous faire, qui va nous permettre de gagner un peu de sustain avec le shield et puis l'immune et l'invincibilité et puis le remplissage jauge d'attaque, voilà. Donc je pense une belle, ça peut faire de la grosse offense et ça peut aussi servir bien en défense. Ça c'est mon analyse. Après, bah tu sais, hein, je raconte toujours mes petites conneries, je suis toujours un petit peu bancal dans mes réflexions. D'ailleurs, big up à Bébert, hein, si tu viens à regarder toi-même cette vidéo, bah, n'hésite pas à me faire tes retours comme d'habitude. J'aime beaucoup, hein, je le prends pas du tout mal. Oh, la skin éveillée, elle est excellente. Hein, c'est vraiment, elles sont canon ces petites minettes. Alors bon. Hein, on voit le côté kawaii évidemment, mais ça donne, elles ont un l'air assez agressif, assez cool quoi, vraiment très très cool. Et le marteau est magnifique, hein, le marteau unique est magnifique. Donc voilà, on va balancer en auto-run ici, donc du farm XP. Alors juste, je vais vérifier si j'ai pas un petit, est-ce que j'ai perçu un petit boost d'ailleurs. Donc on va récupérer les énergies, on va les jouer assez rapidement. Ça on verra plus tard. Encore des V1 et puis on va taper encore de l'énergie. Bon bah j'ai pas de boost XP, donc ça se fera sans boost XP. C'est pas bien grave parce qu'il y a beaucoup de combats à faire donc pour avoir les rewards. Donc tout ça on dégage, ça c'est de la foot que je fais en attendant voilà, de faire d'autres trucs. Bon on va pas lui mettre un runage tout de suite, on s'en branle. C'est pas le principal. Nous on va retourner à ce qui nous intéresse ce soir évidemment, la semaine. Qui, ma foi, en termes de 4 nattes, nous sort beaucoup de feu. Bon, ça régale du côté des skill-up, hein, du côté Kaki, du côté des Anubis, hein, que je voudrais monter aussi mon Yunu. Je crois que j'ai aussi mon Kumun à mettre full skill, qui n'est peut-être pas forcément full skill. De la Sitar, bon, bah, des trucs qui sont pas forcément très utilisés, mais bon, sur lesquels je pourrais un petit peu me pencher. Là, dans ce Zolam Feu, hein, alors je sais, c'est Bérénice, je crois, hein, que je voudrais bien aussi monter, voir un peu ce que ça peut donner. Je pense même qu'il peut y avoir un petit potentiel PVP là-dessus. Hein, bon, un petit boost ATB sympatoche de 20%, je crois, si je ne m'abuse. Le up speed, enfin le buff speed puissance d'attaque, il me semble, si je me trompe pas, à vérifier. Et puis un peu de contrôle de jauge d'attaque, un peu d'inner def, etc. Ça peut être. Je trouve que ce monstre, Bérénice, peut être. En tout cas, dans mon gameplay à moi, peut trouver toute sa place. Donc il faudrait bah, que je me force un petit peu à la monter aussi. Et les étincelles vont revenir un petit peu quand même. Parce que, bon, 500 velins, on arrive sur les 300. Ok, alors ça, bah, ça va être du skill up Clara hein, ou Julie, peu importe. Ça va être pour les frangines eau et feu, hein, tout simplement, parce que l'avant, je vais pas du tout m'emmerder à monter ça. Ça ne vaut pas le coup pour moi. Parce qu'il faudrait vraiment avoir une speed d'enfoiré pour pouvoir optimiser le fameux, ça doit être le skill AOE, hein, qui, bon, pas très efficace. Hein. En vrai, la pierre de vent, je ne vais pas m'emmerder avec ça, ou quand j'aurai 3 ans de compte éventuellement. Oh, la forgeron vent, on a les 3 éléments. On a les 3 éléments. On va étudier un petit peu ça. J'ai pas trop eu l'occasion. J'ai commencé à croiser un petit peu en vrai en RTA de la forgeron. Notamment de l'avant. J'ai vu aussi de l'avant. Pourquoi pas. Bon, j'ai un petit peu piétiné. Hein. C'était à bas niveau, forcément. Je pense des jeunes comptes hein, qui veulent essayer leur nouveau 4 nat quand ils en touchent. Hein. C'est normal. Hein, si t'as envie de te régaler. Par contre là, niveau étincelle, mon dieu, les 500 VM, ils me foutent un petit peu en PLS. Alors, si c'est pour laisser la place aux grosses étincelles sur les légendaires et compagnie, j'y vois aucun mal. Adrian, oui, d'accord. Osef, hein, on est d'accord. C'est franchement de la daubasse.
Mais là, par contre, ouais, on est un peu retombé. Au niveau des étincelles, ça m'agace un peu parce que bah, le Carlos, quoi, me plairait bien. Le Carlos ou même un petit John, comme je disais, hein, pour plus tard monter une équipe Strip Bomber. Qu'est-ce qu'on a fait du Aegir? Bah, tiens, j'ai du skill up à faire sur mon Aegir actuel. Ah mince, j'ai skip. Capitaine pirate, bah du galion. Alors ça, du galion, j'en drop, j'ai l'impression d'en drop beaucoup. Hein. Ça se drop assez fréquemment, le galion. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans vos summons, comment ça se passe, mais moi, j'ai l'impression qu'on en drop quand même pas mal. Alors pour l'instant, un seul 5 nat sur tous les venins que j'ai sortis. Bon, ça commence à être angoissant, parce que je vois le chiffre, le nombre de venins qui descend, qui descend, qui descend, et... Toujours pas de belle étincelle 5 nat. Bon... Patience, patience, il faut y croire, ça va sûrement sortir. On a encore du Kmoon, encore du 4 nats de feu, c'est incroyable. Beaucoup, beaucoup de 4 nats de feu ce soir. J'aimerais bien avoir des 5 nats de feu éventuellement, ça pourrait être pas mal. Une Juno, tiens par exemple, tu vois les oracles, j'en ai encore pas eu une seule. Une Juno, pourquoi pas, ça pourrait bien me plaire, hein. C'est du strip away, du cycling. C'est un emmerdement sur son passif comme pas possible. Ça me plairait bien d'avoir ça aussi dans ma box, hein, je te cache pas, parce que j'en ai marre de les croiser, hein, de me faire chier à les démonter tout le temps, et puis bah, j'aimerais bien pouvoir comboter aussi un petit peu avec ça. Toujours pareil, hein, def siège, hein, ça, c'est essentiellement, je pense, pour ça, hein, que j'utiliserai, hein. Je vois pas trop à utiliser à autre chose, pour l'instant en tout cas. Et puis en plus, vu mes connaissances limitées sur le mob, parce que, outre de le croiser en combat, et puis d'avoir à la décaner le plus rapidement possible, pour pouvoir m'occuper du reste, bon. En termes d'utilisation, bah, je voudrais bien voir un petit peu aussi ce que ça donne. Ah, on n'a plus de place. Donc, ben, hop, le Mav, il va dégager dans la stèle. Alors, est-ce que le rangement va nous ramener d'autres étincelles comme ça fait souvent le cas sur mon compte? Vous savez, quand si vous suivez mes summons, c'est très souvent comme ça que ça se passe. Je fais le rangement, et puis derrière, on a de la petite étincelle qui se repointe. Ah, on a pas mal de vigor aussi pour son full skill, qui va être pas mal, qui va être assez intéressant. Beaucoup de d'agora. Encore du géant feu, du taoïste feu aussi. J'en touche beaucoup sur mon compte, ça. Taoïste feu, il aime bien mon compte. Hein. Il y en arrive. Hein. Hop, alors, non, merci. Du spectra aussi. Hein. J'ai beaucoup, une énorme réserve de spectra. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Suri, grosse déception Suri, hein, vraiment. Je pense qu'à bas niveau ça peut être valable, mais arriver à un certain niveau, ça fait plus rien évidemment. Bon, je vous apprends rien, hein, ou gros joueur, hein, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais voilà, j'avais un petit peu envie de voir ce que ça pouvait donner, test un petit peu en combat, en situation de combat PVP. Et effectivement, bon, le résultat n'est pas celui escompté, c'est un petit peu dommage. Un petit peu une perte de temps sur ce monstre, mais c'était à un moment donné où j'avais plus trop de 5 nats à monter, j'avais monté à peu près ce que j'avais envie de monter, donc je m'étais dit pourquoi pas me lancer sur l'aventure Suri. Alors ça, j'ai pu surprendre, hein, quelques compos à base de Molong avec ça, les Molong Lulu prennent un peu cher avec ce genre de monstre, mais voilà, faut vraiment avoir ce qu'il faut à côté. Et puis un runage aux petits oignons, une speed tune avec la compo aux petits oignons aussi, donc très difficile à sortir. Mais voilà, c'est aussi un petit lead speed de substitution, un lead speed 16 arène qui peut être intéressant. Ah, du Bronivant. Bronivant qui m'a l'air, ma foi, assez cool, pourquoi pas, hein, aussi peut-être à tester ce truc-là, qui peut être un peu chiant peut-être dans des compos sièges, en def notamment. Pardon, je me gratouille un peu. Ah, ma fameuse Citarvent dont j'ai même pas retenu le nom, de toute façon. J'en ai énormément aussi de la Citarvent. C'était la première Citarvent, souvenez-vous, quand c'est sorti avec le peintre, là. Bah, c'est elle que j'avais drop. Citarvent, c'est un de mes premiers 4 nats, entre guillemets, du jeu. Pas entre guillemets, c'était un de mes premiers 4 nats du jeu. Bon, j'avais un petit peu commencé à monter, puis j'ai abandonné l'histoire parce que...
Pas du tout au top. Alors là, on a basculé sur l'élément vent, sur les 4 nattes. Tiens, Samouraï vent. Alors pareil, late. Hein, c'est sur les comptes late qui se sort celui-là. Parce que je pense que c'est pareil. Hein. Ces samouraïs ont besoin de gros runages parce que ben, les dégâts sont pas forcément insane et pas forcément au rendez-vous. Tiens, voilà, regarde ça, coup sur coup. Il m'en redonne un autre. Et eh ben pourquoi pas, écoute. Hein. On prend, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va pas. Hein. De toute façon, t'as pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. on prend ce qu'il nous donne. Hein. C'est... Mais là, ouais, j'avoue que. Bon. Qu'est-ce qu'on a? La forgeronne eau encore. Bah voilà, une deuxième. En élément eau. Alors, c'est cool, hein, forgeronne. Moi, c'était comme le coup des robots et des surfeurs. Hein. Merci, les forgeronnes. Mais bon, un petit Swordmaster. Un petit Carlos, s'il vous plaît. Je sens que ça va encore finir cette semaine en PLS. Hein, bon, bah écoute. Ça finira bas comme ça finira. Parce que là, c'est vrai que. On a eu pas mal d'étincelles, mais que du 4 nat, quoi. On a eu, à part Cachemire, on n'a rien sorti. Encore une Kali fake 4 nat, dis donc. Ça aussi, il m'en donne pas mal. Étincelle, qu'est-ce que c'est? La danseuse au chakram. Bah, je l'ai eu tout à l'heure, elle en plus. Là. C'est Talia, elle. Ça va pouvoir bien skill up en fait, hein, la Talia là. Hein. Talia qu'on m'a conseillé éventuellement en Rift, qui peut être sympa avec, bah, avec Sabrina, hein, la sœur O. Ça a l'air de faire du score, donc je vais peut-être aussi me pencher sur la question parce que mes Rift sentent un petit peu le rouillé et ça serait peut-être bien de renouveler un peu ces teams là à l'occasion d'un prochain FRR et puis d'avoir monté, à condition bien sûr d'avoir monté, pardon. Mes fameuses jumelles O. Ah, je divague. J'essaye de pas trop traîner sur la semaine. Samouraï vent, c'est le troisième. Mais c'est une blague. Mais c'est pas ça que je veux. Mais vous allez commencer à me fâcher, là, comme tout us. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On arrive sur les 120 derniers velins. 125. Pour l'instant, un seul 5 nat sur les 500 velins mystiques. Hein. Faut vraiment faire énormément de velins pour se sortir des beaux drops en termes de 5 nat, hein, y a pas à dire, hein, parce que regarde-moi ça, une semaine à 500, qu'est-ce que c'est ici qui se cache? C'est du 4 nat, oh ben oui, c'est du maître des poisons, Poison Master, mais bien sûr, c'est Sword Master, moi que je veux pas, Poison Master, ça m'intéresse pas Poison Master, moi, hein, mais pas du tout. C'était quoi que j'ai sorti? C'était quoi que j'ai sorti? Excusez-moi. Alors là, tiens, on va finir Striker, nanana. Alors, un petit yes, merci les bros. Mais j'ai déjà Ryu Vent. Ça manque d'étincelles quand même, un petit peu. Hein. Ça manque d'étincelles un petit peu. Donc on va juste ici vendre les runasses. En plus, il faut que je récupère de la chaussette pour l'événement de Noël, évidemment. Et on va la rebalancer de suite. Hop, c'est parti pour un tour. J'aimerais bien réussir à toucher assez de forgeron pour me la monter 5 étoiles en skill up. Ça serait sympa. Est-ce que ça va le faire? Je ne suis pas sûr. Bon, il event, on ira voir plus tard. Bon, ça, c'est toutes les machins qu'on peut acheter, machin des boutiques. Je vais faire un petit rangement tout de suite. Ah, ben oui, puis en plus, ça vient de reset. On a le Wish et tout et compagnie. Bon, on ira voir ça plus tard. On va tout ranger tout ça déjà pour commencer. Parce qu'on a du bordel. Alors là, vous voyez, c'est beaucoup de vent là. Puis alors, 3 samouraïs vent, vas-y, hein, tranquillou. Encore un fake. Ah, c'était lui là. J'avais cru voir. Hein. J'avais cru voir toute autre chose. J'avais cru voir Pop une Diana. Mais je m'étais dit, non, c'est pas possible, pas sur mon compte. Diana ne viendra jamais sur mon compte. Ce serait tellement fort, tellement fort. J'aime bien Diana aussi, hein. C'est un beau cancer. Et ça peut être sympa à jouer aussi. Les Diana, les Savannah, les gros mobs vent bien casse-couilles. Parce que la méta reste. Alors. Sauf si j'ai raté des chapitres, hein, depuis ces derniers jours, parce que bon, en PVP, c'est vrai que bon, je suis pas très au fait des grosses méta, mais ça reste toujours la team vent, hein.
C'est la team Wind encore qui l'emporte avec Shampoing, avec Syrah, avec Savannah, avec Diana, avec je crois que c'est Tiana, la reine polaire vent, qui est très 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 prisée, très très jouée elle aussi. Allez, on arrive sur la dernière ligne droite des Velins Mystiques. Et j'avoue que là, je commence à sentir. Enfin, pour moi, je pense que ça sent un peu le roussi parce que ben, on aura fait un seul 5 nattes sur 500 Velins Mystiques. Tu te rends compte? 500 Velins Mystiques, un seul 5 nattes. C'est vraiment terrible. Hein. La RNG, bon, je pensais qu'elle aurait été meilleure. Voilà, je m'étais dit, tiens, 25 décembre, Noël, l'esprit de Noël et tout, l'esprit de Santa Claus, mais non, 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 ça n'opère pas chez moi. La magie de Noël ne perd pas sur mon compte. Est-ce que c'est là la magie de Noël qu'elle va opérer? Un 5 nattes? Un 5 nattes, un 5. Oh mon Dieu! La Savannah! Je la snipais, la Savannah! Cool! Trop cool la Savannah, c'est trop bien! Oh, c'est trop bien! J'ai ma petite Savannah sur le compte. La première Beast Rider sur mon compte principal. J'avais eu Macha sur le reroll, hein, peut-être vous en souvenez. Après, bah, il suffit de retourner voir mes anciennes vidéos, hein, c'est dans les archives. Mais là, c'est Savannah, Savannah. Vraiment, j'ai un kiff sur Savannah. Ça faisait un petit moment que je la snipais. Sur le level 1 des 7 ans, je l'avais un petit peu mise en wishlist. J'ai jamais drop. Sur les autres summons, bah, j'ai jamais réussi à la drop. Et là, elle m'arrive tout droit, tombée, tout cuit dans la bouche. Deuxième 5 nattes, 5 nattes vent. Alors, beaucoup de 4 nattes vent, 4 nattes feu sur cette summon. Beaucoup de 5 nattes, enfin 2 5 nattes vent. C'est quand même quelque. Brandia? Non. Ah non, ça c'est. C'est Wai. J'allais dire wow. Coup sur coup là, de nattes 5. Ça m'aurait fait plaisir, j'aurais pris, hein, je te dis pas, hein, mais ça me paraissait quand même. Ça me paraissait gros quand même, hein, je dois l'avouer. Ok, donc là, ben, ça va se calmer un peu, j'imagine. Hein, on a sorti un 5 nattes, voilà, on ne faut pas non plus. Alors, 77 velins, j'ai bon espoir de retoucher peut-être une ou deux forgerons feu. Pour, je te dis, la montée en skill up 5 étoiles, ça serait sympa. Qu'est-ce qui nous arrive encore comme étincelle? C'est une Emma. Emma me tombe beaucoup aussi sur le compte, hein, finalement. Bon, c'est plus trop. On m'a dit que c'était plus trop méta. Je suis pas trop au fait. Moi, j'aurais tendance à vouloir quand même en monter une parce que c'est quand même un skill set qui est plutôt pas mal en termes de sustain. Hein. Je crois qu'il y a du shield, il y a des trucs un peu sympas comme ça, du glance sur le S1, je crois, comme toute la famille. Si je dis pas de conneries, mais je ne connais pas forcément non plus par cœur cette famille. Je joue beaucoup Illyana que j'aime énormément, la light. Elle est vraiment extraordinaire. Alors, bien sûr, il faut le runage qui va derrière, hein, notamment en PVP, pour les defs, sièges et compagnie, bah, faut du runage solide. Chose qui n'est pas encore tout à fait mon cas, faut l'avouer. Mais bon, en tout cas, je sais que Illyana, c'est glance sur le S1, c'est le shield wheel et invincibilité en supplément, petit supplément. Sur un des alliés, c'est le remplissage de la boost de la jauge d'attaque qui peut vraiment sortir de situations un petit peu délicates. Donc, ouais, un mob que j'adore, que vraiment je ma Illyana, ça faisait longtemps que je l'avais, hein, en plus de côté dans la box, je l'avais chopé assez tôt dans le jeu, hein, enfin assez tôt, il y a pas mal de temps quand même. J'ai mis du temps à la sortir et puis bah là c'était l'aubaine. Qu'est-ce que tu veux? Ils nous sortent la Rylai avec les fusions Emma, bon bah. J'ai dit, allez, let's go, qu'on va pouvoir du coup optimiser un max le monstre directement pour la sortir ben, au maximum de son efficience. Et grand bien m'en a fait parce que effectivement, alors moi c'est, je l'ai build sur un set Swift pour essayer d'avoir T1 pour mettre là, justement la fameuse immune. Mettre des poisons vent, mais non, mais non, mais non, mais ça n'a rien à voir avec ce que je veux. Bon, écoute, 2 nat 5 sur les 500 velins. Pour l'instant, jusqu'à présent. Bon, on peut pas trop se plaindre. Puis alors, Savannah. Savannah. Alors, dans le chat, ça a dû fumer un petit peu, quoi. Trop bien.
Ah, la savana, je l'attendais depuis un moment. Hein. On va re-ranger. Oh là là, la savana, mais c'est juste incroyable, je suis trop content. Cachemire savana, bon, bah, c'est plutôt 2-3 plutôt sympa, même si j'avais déjà Ryu vent, hein, quoi qu'il arrive, que j'ai même commencé à monter, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours du mal avec ces skins, ces skins Street Fighter. Donc je pense que je vais repartir hein, sur un build Cachemire, parce que j'aime vraiment trop cette skin SW là, des Strikers. J'ai toujours j'ai mon Mour hein, qui est monté, etc. très très fort. Et puis bah, le vent qu'on découvre un petit peu, qui commence un petit peu à sortir du lot. Voilà. Après, je pense que c'est des configs peut-être un petit peu particulières. Hein. Mais je pense qu'il commence à sortir pas mal. En def arène, hein. Ouais, si, je crois que c'est en def arène un petit peu que j'en ai croisé quelques-uns de temps en temps. Puis en PVP, c'est plutôt cool. Allez, on y retourne sur les derniers quoi, 27 velins, la dernière petite trentaine. J'espère me choper un petit truc sympatoche, mais après on a quand même du gros velin qui suit derrière. Et puis on a les élémentaires, on a tout ce qu'il faut qui suit derrière. C'est pas encore fini! C'est pas encore fini, il y a encore du velin, il y a encore de l'étincelle. Étincelle 4 nattes, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est mon ami Abigail, que j'aime beaucoup aussi. Il y a un petit skill up, bah ça m'arrange bien. Abigail, j'aime beaucoup. J'utilise. Alors j'ai du mal à la sortir parce que j'ai du mal à la build correctement. Mais en tout cas, j'ai commencé à la sortir. Oh, encore une Wai, tiens. J'ai commencé à la sortir un petit peu de temps en temps, ne serait-ce qu'en PVP. Elle a un skill set qui peut être sympa aussi à jouer. En vrai, relativement efficace, à condition d'avoir le bon runage. Alors pourquoi je parle de PVP avec Abigail? Bah, tout simplement parce que ma box n'est pas très très bien fournie en très bon 5 nattes. Et donc elle me fait un bon job, le BDF, le break attack, les multi-hits. En plus qui avec dont le nombre de coups augmente à mesure que les alliés tombent. Enfin que les ennemis tombent. Donc c'est plutôt sympa. Et puis un bon strip, un bon contrôle ATB AOE. Donc moi je suis assez satisfait de ce monstre. Et on va refaire une petite pause puisque vous voyez, la machinerie se remet en route. Et ben je vous dis, on revient dans quelques instants. Ok, allez, on y retourne. On y retourne, c'est la dernière ligne droite sur les velins mystiques. Il en reste encore pas mal, hein. Je vous avais dit que ça serait long, hein, vraiment. Alors j'ai dû un peu, je suis allé un peu regarder un petit peu les skill sets. Là, j'en ai profité pour regarder un petit peu les skill sets là, pendant ma pause, pour voir un petit peu qui je vais monter. Je suis parti sur l'avant. Parce que bah, déjà ma feu est déjà 4 max, donc j'ai pas sorti assez de skill up. Une petite tétra assez sympathique comme mob aussi, pas mal aussi pour des def sièges. Pas assez de velin mystique, donc voilà, non. Donc on a fini sur les velins mystiques. Ce que je vais faire, on va aller tirer la rallonge. J'en ai profité aussi, je suis allé choper mon dévilement. Alors si vous n'êtes pas au courant par rapport à ça, je vous montre rapidos. Vous savez que dans les. Voilà, dans Keros, là, pour aujourd'hui, le 26 décembre seulement. Hier, le 25, c'était un Arsenmon 5 étoiles. Ici, on avait donc le Devilmon. Je suis allé choper mon Devilmon. Je suis tranquille, je suis pépère. Le Devilmon, c'est fait. Et puis, donc, je suis allé regarder un peu les skill sets pour savoir quel autre forgeron j'allais monter. Je me suis déporté, donc enfin je me suis attelé à faire XP l'avant. Je vais aller récupérer donc ça, les velins, parce que j'ai tout fait les mystiques, donc on va récupérer le surplus. Hein, on en a une cinquantaine normalement. 51 même. Bon, et bah hop, je récupère mes 51. Ça va m'en refaire encore 5 derrière. J'en profite. Hein, j'en profite. Il y a la stèle. On est encore dans l'event. Alors oui, il faut que j'aille récupérer dans ma boîte. Je suis un petit peu bête moi sur ce coup-là. Ah, on a encore 3 pièces de velin truc. On a encore donc encore un skill up là d'ailleurs hein, qu'on va pouvoir ressortir. J'espère me ressortir une autre parce qu'il me manquerait encore deux forgerons donc pour aller monter la fameuse forgeron feu. J'apprécierais d'en choper une et peut-être même un petit 5 nat supplémentaire. Pourquoi pas? On a une cinquantaine de vélins. Bon, ça peut, hein, ça peut passer hein, sur un malentendu. Regarde ça, une étincelle. Qu'est-ce que ça va être? On sait pas, on sait pas. Ah bah parfait. Tiens, voilà, c'est ce qu'il me fallait. Donc j'aurai tous les skill-ups pour monter la feu. C'est excellent.
L'avant aussi, hein, a l'air pas mal dans son style, mais l'avant, bon, je m'y pencherai à d'autres occasions. Hein. Là, c'est vraiment pour moi la feu qui me paraît tellement. Quoique, l'avant peut-être avec Kaki malgré tout. Parce que du coup, sur une def, si on décide de mettre une def comme ça, Myriam, Kaki, bon, c'est deux éléments feu. Pourquoi pas partir sur une Céline Kaki? Et une Myriam encore en plus du skill up, je vais pouvoir la monter 5 étoiles. Je pense que dans la soirée là même, enfin dans la nuit même, elle passe 6 stars pour aller choper donc le fameux dernier reward, les tout derniers rewards de l'event des nouveaux monstres. On a du mal, hein. Faut meubler, hein. Je te garantis, des summons longues comme ça, faut y aller, faut meubler, c'est pas, c'est pas de tout repos. Hein. Par contre, pour l'instant, pas de drop 5 nat. Swordmaster, hein, c'est un peu un regret. C'est un petit peu un regret, mon petit Carlos que j'aimerais bien choper. Ah, je viens de skip, c'est. Bon, bah c'est la succube. Ah, un Skogul. Un deuxième Skogul. On va pouvoir se monter un petit deuxième Skogul. C'est plutôt cool. Je crois même que j'en avais déjà encore un autre de côté. Donc du coup ça me fait dire que finalement avec un deuxième Vigor et encore un deuxième Kumun, bah, de la KVS en veux-tu en voilà, on va en refaire un peu. Ok, bon bah là je pense qu'on arrive sur la fin des étincelles, mais tant mieux parce que si, enfin je me dis, j'aime à croire que si du coup les drops là sont pas excessivement excellents là, entre guillemets, bon quand même, je me plains encore la bouche bien pleine vous allez me dire. Ah, ça c'est du Rakunivan, du Argevent. Que je sais pas trop ce que ça vaut, j'en vois pas. Parce que quand même, Cachemire et Savannah, quand même, faut quand même pas déconner, c'est quand même pas mal du tout, même plus que pas mal en vrai. On va récupérer nos 5 derniers vélins disponibles ici. Voilà, histoire de les balancer. On en aura fini à ce moment-là avec les mystiques. On va hop, vendre la rune là et puis continuer de hop la petite... La petite Céline, hein, bien sûr, hein, on a ce qu'il faut pour y aller. On va ranger. Écoute, j'ai envie de te dire, faisons un peu de rangement. Ça nous permet de voir un petit peu ce qu'on a, voilà, ce qu'on a ressorti. Encore pas mal d'étincelles plutôt correctes, on va dire. Hein, c'est correct, quoi. Sans plus non plus, c'est pas insane. Hein. Mais bon, voilà. C'est là. Ça servira pour les skill up, pour les monstres qu'il nous faut. Encore du Rakuni. Papy bourré feu, que j'ai touché en fake un peu plus haut. Hop, allez, on range tout ça. Et puis on va y retourner donc pour la toute dernière ligne droite des volants mystiques. Et ensuite on attaquera évidemment les élémentaires. Parce que je pense partir sur les élémentaires avant d'aller faire les gros velins, les légendaires, les tout attributs et compagnie. Et c'est reparti, on y retourne. On a fait le rangement. Ah, oh, deux fois que je me fais avoir. Hein. Hop, c'est parti, on y retourne. Allez, on termine tout ça, 5 velins, qui sait, peut-être un petit 5 nat là-dedans, on sait jamais, sur un malentendu, comme je dis toujours, ça peut toujours passer. Bon, là, ça a pas l'air d'être a priori le cas. Hein. Non, ça ne finira pas sur de l'étincelle. On va enchaîner, hein. Je sais pas ce que t'en penses, on va enchaîner, on prend les vents dès le départ, parce que c'est ceux où il y en a le moins, hein. Ça sera, de toute façon, on va faire dans l'ordre, hein. On s'en fiche un peu. Alors, est-ce que les velins élémentaires sont compris? Non, je pense pas, hein, dans les trucs de velins mystiques, ça m'étonnerait quand même. Ok, du loup-garou vent, on s'en branle, ça vaut rien. Là, Naomi qui est déjà bien montée comme il faut. Ah, on a skip, c'est une sylphide. Eh ben, c'est notre fameux... c'est le fameux... on frappe tous les ennemis. Hein. Il m'a l'air pas mal, faudrait que je voie à monter ça, hein, pourquoi pas. Bon, bah la seule étincelle en vent qui est pas un truc top level. Du Bernard qu'il faut absolument que je rune, mais alors vraiment qu'il faut que je soigne aux petits oignons. Ok, bon, bah c'est du petit mob, hein. On a 9, il nous reste 9 velins vent. C'est un petit peu mou là, hein, j'avoue, c'est vraiment un petit peu mou, un petit peu frustrant entre guillemets. On a eu Savannah, c'est bon. Arrête, t'as eu Savannah, mec. Ah, la chakram vent.
Ouais, que j'utiliserai sans doute pas trop. Oh, back to back. Est-ce que c'est un back to back 5 nattes? Non, c'est. Bah, c'est une Céline en plus. Bah, écoute, une Céline en plus. Merde, j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et. Oh, on finit sur une étincelle. Est-ce que c'est la 5 nattes? Non, c'est encore une. C'est une hyène. Une hyène que je vais peut-être pouvoir même incessamment me monter en full skill directement. Allez, on enchaîne les feux. De toute façon, hein, on est là pour summon. On verra bien ce qui tombe. Pas d'étincelle pour l'instant sur les feux. Bon, en même temps, on n'en a pas non plus des 1000 et des 100. Hein, donc, on risque pas de faire de grosses étincelles. C'est vraiment drôle. Alors, à l'heure où je vous parle, hein, il est minuit 24 là, à l'heure où j'enregistre. Je suis en mode nocturne. À la bien. Le 26 décembre. Ça régale quand même pas trop mal. Hein, dans l'ensemble, je dois dire que ça régale pas mal. Oh là là, encore cette espèce de gargouillasse feu qui. Ouais, peut-être que j'étudie son cas. Il y a peut-être moyen de faire un truc, hein, après tout. Il a été conseillé, fut un temps. En team Tricarou, quand ta team Tricarou est pas forcément OP, vu qu'il peut pas faire de coop et qu'il se met en position de défense, quand il se met en position de défense, ça permettait à ceux qui n'avaient pas donc toutes les stats def sur les Ikaru, bah de pouvoir avoir un petit peu de def en plus avec lui. Je crois que c'est son lead skill peut-être. Ah, lui que j'ai toujours pas fini de monter, c'est. J'ai oublié son nom, que j'aime, qui m'avait l'air plutôt sympa de base, mais que j'ai toujours pas fini de monter d'ailleurs. J'ai oublié son nom complètement, le Neostone Feu. Pourtant, j'ai eu longtemps utilisé dans mes débuts, hein, parce que j'avais pas trop plus que ça pour bien wedge. Allez, on finit sur les Velin Flotte. Qu'est-ce que ça va nous sortir? Bon, sur les élémentaires, hein, on n'est pas au top. Hein. Je dois dire que je m'attendais peut-être à au moins un petit 5 nat dans les élémentaires. Ça sera visiblement pas le cas. Donc pour l'instant, on est à peu près dans les stats, hein, 2 nat 5. Faut pas oublier qu'on a du légendaire encore qui arrive derrière. On a 2 velins du SWC. Oh, c'est un peu à moitié scam aussi, faut l'avouer. Hein. Je compte pas trop là-dessus pour sortir un gros mob. Et là, qu'est-ce qu'on sort? Toujours du 4 nat, c'est de la Rakshasa O. C'est pas foliche, hein, c'est 4 nattes, Rakshasa, tout ça, c'est un peu à l'ancienne, c'est pas ce qui nous hype, tu vois, encore une MA sur un back-to-back. Bon, MA, ça reste, pour moi, je pense que ça peut rester jouable, pour du sustain, en tout cas, sur une bonne compo def siège, hein. Ça peut devenir chiant. Ah, encore du skill-up à Aegir, ça me plaît bien. Parce qu'Aegir, je me vois pas en monter un deuxième, hein, quand on a un, c'est déjà pas mal. Oh, mais par contre, les velins hauts, c'est étincelant ce soir. Hein. Oh non, pas comme ça, pas ce genre de dope, quoi. Mais faites-moi des back-to-back valables, avec des belles étincelles 5 pattes, je sais pas, moi. Yaku, je sais même pas c'est quoi comme famille, faudrait que j'aille voir dans le détail. Qu'est-ce qu'on a? Une Sitar. On a la Song Sol, que je vais pouvoir skill-up avec elle. Je me demande même si je peux pas me la monter 6 étoiles avec ses skill up du coup maintenant. Parce que j'ai eu pas mal de. J'avais pas mal de Song Sol de côté. Voilà pour les élémentaires. Bon, bah écoutez, avant de terminer sur les gros velins, j'ai envie de vous dire, on va aller ranger tout ça. Alors j'avais vu donc du fake 5 nat. C'était du fake quoi du coup. Ah, ils l'ont peut-être rangé directement. Yaku, je sais même pas qui c'est Yaku. C'est pas lui, non. Ah si, Yaku, c'est le. Ok, c'était le champion, le lutin champion de l'élément eau. Bon, hein, des étincelles, à part bon, la forgeronne, là, qui m'a l'air bien à l'avant, hein, Céline, elle m'a l'air. Son passif a l'air sympa. Je suis allé check là tout à l'heure, comme je vous l'ai dit. Et son passif a l'air sympa. C'est genre quand t'as un buff attaque sur toi. Tu auras 50% de chance de mettre un break def sur ton ennemi en face. Et si tu as un buff def, tu as 50% de chance de mettre un break attaque sur ton ennemi en face. Et donc, c'est compris dans le passif de Céline, la forgeronne au marteau runique vent. Je pense que ça m'a l'air très très sympathique. Et que ça peut être très très fort en PVP pur. C'est-à-dire, je pense qu'en Special League, ça peut être un monstre qui peut
qui peut montrer de bonnes capacités, un très gros potentiel à mon avis, surtout en termes d'emmerdement maximal. Bon, on s'est fait deux forgerons, on va pas aller plus loin que ça. On va essayer de voir pour du skill up la feu, mais on va pas s'occuper de ça tout de suite. On va laisser de côté les runs pour l'instant. Et on va se concentrer sur la dernière ligne droite de la semaine. Sur quoi on part? Je suis hésitant. On a fait les élémentaires, on a fait Dark and Light, je pense, en dernier, hein, comme d'hab. Bon, on va partir sur les légendaires. On va commencer par les velins en eux-mêmes. Donc là, bah, évidemment, l'étincelle, voilà. Ok, une Sabrina. Ici, une Céline de plus. Mais on va pouvoir encore même monter Céline 5 Star Skill Up. C'est pas mal. Ici, eh ben, encore une forgeronne haut. Alors ça, des forgeronnes, là, ça y va. Hein. Une Melia qui est devenue Mob Fusion, évidemment. Encore une forgeronne haut, mais c'est la festival des forgeronnes, là, par contre, sur les... Oh, oh, le doublon Shizuka. Bah écoute, j'ai envie de te dire, doublon Shizuka, c'est béné, hein. C'est béné, y a pas à faire autrement. Moi, Shizuka, j'en ai une, ça me suffit bien largement. La béné, donc on va prendre les cristaux. Et voilà, Shizuka qui part en béné, on l'a déjà eu. Donc on chope la béné au cas où. S'il y a du 5 nat, on va voir hein, si on redrop un autre. On va aller acheter la béné, la fameuse béné, donc cristal antique. Une béné ici, on achète, yes, c'est parti, ok. Et on a 100 de côté du coup de cristaux antiques. Donc on a fait la béné. Alors qu'est-ce qu'ils en ont dit là-dessus? Pour l'instant pas de réponse. Ils ont dû voir pop, hein, mais bon, j'ai pas, du coup, ça a pas trop envoyé de message. Alors, ok, on y retourne, les 5 derniers. Qu'est-ce qu'on a? Le Neostone O, apparemment, qui est assez décevant. La Cannon Girl Feu, qui me servira certainement de skill up pour ma Abigail. Ça, c'est une certitude. Encore une Forgeron Feu. Bah, je pense que là, tout simplement, je dois avoir ce qu'il faut. Bon, on va finir juste les velins légendaires. Et puis, on va faire une interlude pour aller skill up la forgeron feu. Oh, Nimusha, un Swiki du skill up, puisque j'en ai déjà un qui est un petit peu en train d'être monté. Un chevalier de la mort, c'est le... oh, j'ai oublié son nom. Brillant. Bryant, que je serais tenté d'appeler. On va faire les morceaux puisqu'on y est, hein, on en a 4 à faire. Encore une Céline, bah décidément. Par contre, encore une Céline, doublon Céline direct. Oh, la béné! Bah, y a pas à discuter, ça va être la... Bah, ça va être la totémiste, hein, puisque j'ai déjà... Bah, j'ai déjà ma Sekhmet, hein. Allez, on sort la totémiste. On sort la totémiste feu, qui est pas mal aussi. Bon, une petite totémiste feu en 5 nattes, pourquoi pas. Je crois qu'elle est pas trop mal du tout, hein. Et on fait le dernier morceau, on va voir ce qui tombe. Et un... Oh, bah non, mais le doublon combattant Neostone, il se fout de moi. Ok, avant d'aller faire les tout attributs et les tout derniers velins, on va ranger, donc bah, 2 5 nattes de plus ici, hein. on a eu Shizuka, hein, forcément, qui est parti en béné, et puis bah, la totémiste feu, j'ai pas du tout son nom, en tout cas voilà, c'est fait. Donc, par invocation, non, j'ai envie d'aller d'abord ici pour aller monter en skill up elle, donc déjà Myriam en priorité. On en a 3 là, il va m'en manquer juste une. On va finir de summon en fait, hein, et puis je m'occuperai de ça après. Allez, c'est parti les légendaires tout attributs, qu'est-ce qu'on va sortir? Oh, une Harmonia, c'est génial. Dryad Feu, j'ai oublié son nom, que j'ai beaucoup joué aussi en début, que je trouve assez sympatoche. Le Maurice. La Succube Vent, que je n'utiliserai jamais de toute façon. Encore une Forgeron Haut. On va pouvoir en emprunter une du coup. Bon alors, sur les légendaires tout attribut, là je... C'est un peu la douche froide. C'est un peu la douche froide. Est-ce qu'on fait les morceaux de transcendant? Bah non, hein, on va pas faire le trans tout de suite. Puis ça, on va checker un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? Bah, Savannah, on peut enlever. Hein.
Donc, Savannah, on peut enlever de la wishlist. Qu'est-ce qu'on mettrait du coup? Un shampoing, j'avais dit dans les vents, qui me plairait bien, hein, que je snipe aussi depuis un petit bout de temps. Donc, bah, on va le mettre, hein. On va rester sur Miles. On va rester sur Abellio. Non, je vais choper Carlos ici. Je voudrais Carlos quand même. Carlos a l'air très, 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 très fort. Ok, on en a que deux, de toute façon, ça va aller vite. Oh, étincelle sur le premier, mais waouh, c'est la folie. Est-ce que c'est l'étincelle? Oh non! Oh, mais pas comme ça! Et sur le deuxième, oh! Ça, on a évité le scam! Et on a chopé qui? On a chopé encore un Carcano qui va permettre peut-être de full skill finalement, parce qu'il y en a quand même pas mal. Bon, avant le transcendance. Avant le transcendance, j'ai envie d'aller taper les Dark and Light, moi. Alors, je vous demanderai bien ce que vous en pensez, mais on n'est pas en direct. Donc, je vais taper dans le transcendance. Ok, chasseur de bête light, c'est pas forcément top. Alors là, je sens que je vais me faire scam méchamment du coup, parce que les étincelles ont pas mal plu. Ah, de la marteau runique en Dark and Light, ce serait sympa. Et je pense que ça va être un full scam sur ces velins. Bah oui, hein, faut. Ah, Prom, tiens, je vais pouvoir monter un Prom. Il m'intéresse aussi, Prom. Je me disais, tiens, il me manque plus que lui dans la famille à monter. Donc, sûrement lui, puis le vent, hein, que je vais m'amuser à monter. Est-ce le 5 nat Dark and Light? Non, c'est. Oh, Molly! Oh, Molly! Oh, Molly! 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 Je la voulais aussi! Oh là 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 là! Oh là! Les petites compos casse-couilles, les petites compos casse-couilles en def siège. Oh, mais on va se faire un régal. On va se faire un régal, les gens. Moi, je vous le dis, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Mais une bonne petite luck quand même, hein, sur cette semaine. Franchement, je ferai un récap. Mais oh, regarde ça, encore une étincelle Dark and Light. Et c'est Guillaume, je crois. Ça aussi, c'est bien casse-couille cette merdaille. Oh, on a chopé du petit truc assez cool, du catnat assez cool en vrai. Allez, il reste les deux derniers. Bon, on les tape dedans. La Felight, on a monté assez déçu de ses performances, je dois avouer. Je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Morceau d'invocation. Donc là, bah, on va finir sur les Dark and Light là, hein, sur les morceaux. Ah, chat martial light. Ah, c'est cool ça aussi. Taoist Dark, bof, c'est pas là-dessus que je vais partir. Amazon Dark, c'est pareil, hein, c'est pas là-dessus que je vais partir. En tout cas, pas maintenant. Le Mantura que j'avais, il me semble pas encore. Berman, bon, Berman, quoi, hein, on va pas se leurrer. Un Train, peut-être en monter un deuxième d'ailleurs de Train pour. Comme ça, pour le délire, je sais pas, peut-être, hein, peut-être pas. On l'a dans la box. Bon, bah voilà, on a fait le tour, hein. On a fait le tour. Avant d'ouvrir le trans, encore une fois, je maintiens un peu le suspense. J'ai envie de savoir. Non, y a plus, hein, sur les mystiques, on est d'accord. Par contre, ici, on a dû débloquer du reward. Sympa, à mon avis. On a dû débloquer du venin mystique, je pense, non? Ah non, même pas. 27 sur 30. Ah, j'ai même pas encore combattu 30 fois. Ouais. Ok, là, je pensais que si. Allez, le trans! Le trans, le trans, le trans, c'est le 5 nat garanti là. Hein. C'est le 5 nat garanti, c'est le transcendance. J'espère que c'est un beau nat 5 qui va sortir et pas encore un fichu doublon. Qu'est-ce que c'est? 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 Oh bah. Alors non, non, non. Bon. Bon, Striker Feu. Bah écoute, on va repartir avec ça. C'est loin d'être dégueu, hein, Striker Feu. Faut pas déconner, hein, c'est pas non plus la mort. Scamstone, on n'a plus rien, puis on va pas aller en refaire de toute façon, c'est clair. Et ben voilà, mes amis, ben voilà. Ben franchement, c'est plutôt cool, hein. On va pouvoir changer un petit peu de stratégie. On va pouvoir changer des stratégies, de stratégie un petit peu. Des bons drops, des bons drops, vraiment. Alors, on va conclure après cette pause finalement, parce que j'ai encore cette saloperie de chaudière qui redémarre. Hein, décidément, ce soir, c'est comme ça. Allez, pour la fin, suite et fin, conclusion, etc. À de suite. Ok, les bros, je me remets la lumière, pardon. Alors, c'est la semaine des 500, suite et fin, conclusion de toute cette semaine. 500 velins mystiques.
pas mal de légendaires, pas mal de Dark and Light aussi. Alors les drops Dark and Light, même en 3 nat, ont été pas si dégueux parce que bah, j'ai chopé la... Alors je sais plus son nom, c'est la Chat Martial Light, que je vais me faire certainement un devoir de monter assez rapidement. Alors je fais un petit peu ma petite cuisine là, ma tambouille pour monter ma petite... Oh, elle est pas encore full level, elle. Pourquoi elle veut pas monter full level? Je voudrais bien savoir. Je voudrais bien savoir. Je voudrais bien savoir. C'est parti. Alors, est-ce que je mets... Non. On va aller juste, voilà, pour optimiser un peu sa montée en XP. Pardon, hein, je suis un peu en train de divaguer en même temps. Bref, pour en revenir à cette semaine, eh ben, la conclusion, elle est pas trop mal. Est-ce que j'avais déjà rangé mes derniers drops? Voyez un peu hein, la gueule. La Molly, franchement, Molly, c'est pareil, ça va être un plaisir de sortir ce monstre. Prom, qui peut faire aussi pas mal de dégâts en AOE, qui pose du BDF. Kisten, qui peut, en étant bien bien draft en offense, peut faire pas mal chier pas mal de compos. On a la Shren, mais je crois que je l'avais déjà, donc il ne reste plus qu'à la monter. Lin, en plusieurs exemplaires, ça c'est plus trop utile. On a eu un Train. On a eu un Guillaume, me semble-t-il, c'est bien Guillaume, hein, c'est le Dark, oui, il me semble, hein, c'est bien Guillaume, qui peut être bien chiant aussi. On a eu encore de la Mio. Ah, la eau élémentaire Dark, qui m'a l'air aussi relativement puissante. Et en plus, un Lithocrit Dark qui pourrait fortement convenir à mon ami Rtate. Pourquoi pas en PVP. RTA éventuellement Special League. Alors ça sera pas comboté avec Rtate, Rtate étant un 5 nat évidemment, mais voilà, dans la Special League, ce genre de monstre qui peut être un petit peu grinçant, un petit peu handicapant. Et puis voilà, une Nora, alors le Striker Feu, je sais plus son nom, le Cachemire, la Savannah, mais quel plaisir, Savannah, franchement, c'est ultra cool. Rémi, donc le Argue Haut, mais ça, c'est pas trop joué, il me semble. Et puis en dessous, bah, beaucoup, bah, tu vois, hein, 6 marteaux runiques haut. Alors ce qu'on va faire, ouais, bah, on les a mis par monstre. Pas mal de skill up aussi, enfin bref, du beau monde qui est venu s'implanter sur le compte, de skill up, du skill up donc Galion, du skill up Aegir qui sera bien, danseuse du ciel, oh est-ce que c'est là, est-ce que j'avais commencé à en monter une, donc peut-être du skill up, je sais plus, on a de la liche haut, je sais plus c'est quoi son nom, mais qui a l'air pas mal aussi à jouer, peut-être en spécialité qui peut être casse-couille. Au même titre que je dirais peut-être un Antares. Bah voilà, du beau drop. Bon, pas mal de fake, hein. Là, pour le coup, il y a du fake en veux-tu en voilà. Pas mal de skill up Kaki. Je vais pouvoir skill up le Kaki proprement. Le Carcano va aussi se faire plaisir sur ses skill up. On va pouvoir essayer de travailler un petit peu sur la... Alors, je sais plus c'est quoi son nom à elle. La Citar Feu. Qui me plaît bien aussi dans son skill set. Du Zibrolta, bon, ce que je ferai pour l'instant pas du tout, hein, ne jouant pas du tout Bomber. June me paraît sympatoche, j'ai bien envie d'essayer de voir un peu ce que ça peut donner. Alors je crois que j'ai Sig de toute façon, au pire des cas, bon, avec tout ce que j'ai drop, je peux faire aussi du skill up. Du Han, encore de la, bah, encore la Céline là qui est là en 4 exemplaires, donc qui va tout de suite partir en skill up pour la Céline originelle, hein, évidemment ça va partir T1. Du Maurice, du Neostone de l'assassin, je sais pas trop ce que ça vaut l'avant, mais ça m'a l'air aussi un petit peu joué, pourquoi pas. Du Bronivant, évidemment. 5, mais te rends compte, 5 samouraïs vents, c'est insane, hein, j'en ai jamais touché autant. J'ai un Foucault qui a pas. Alors, ça doit faire un moment que je l'ai, parce que Foucault, j'avais pas souvenir de l'avoir vu sortir ce soir. Encore du Brillant, mais ça s'en branle. Pas mal de Yen. Ça a beaucoup de skill up donc pour les sœurs Clara, Julie. Tout ça. Qu'est-ce qu'on a eu? On a encore du Bering, on a eu le Guillaume. Bon, le HU Bell, ça c'était le HOH.
qui n'a rien à voir dans cette semaine. Enfin voilà, des trucs sympatoches. Et ben, dans les Dark and Light, donc dans les 3 nattes, ben, je vais pouvoir monter ma macha martiale Light, qui a l'air, au dire de mon ami Marco, hein, encore toi Marco, big up, qui a l'air relativement forte. Alors Shred, je l'avais pas finalement. Peut-être que j'avais la Dark. Je vais vérifier. Oh, je vais vérifier ça. Oui, c'était la Dark que j'avais en fait, en réalité. Le Varus, là, que je vais pouvoir travailler un petit peu sur du skill up de la Mio, du Prom dans les Light aussi, la Faucheuse Light que j'aime bien aussi, que j'avais joué sur un autre reroll aussi que j'avais pas mal sorti, que je trouvais assez sympatoche à jouer. Donc, plus qu'à faire un deuxième éveil, puis la famille sera quasiment au complet, hein, il manquera plus que le vent à faire, quoi, le Iva. Donc, l'achat martial avec son lead attack guild. Donc des drops très intéressants, ma foi, hein. En tout cas en termes de 4 nats, 5 nats, on n'a pas trop à se plaindre, hein. Vraiment, c'est des beaux drops. On est dans les stats, si tu regardes, si on fait les comptes, on est dans les stats en réalité. Je suis un peu déçu de ne pas avoir eu une nouvelle fois les nouveaux, un des nouveaux, notamment le Carlos, hein, le Swordmaster Feu, qui me paraît, moi, relativement puissant. Le haut a l'air pas mal non plus. Mais on a 1, 2, 3, 4. Si on accepte. Enfin, si on compte Shizuka que j'ai passé en béné, bah, 4 ou 5, 5 nats. Sur les 500 VM, plus les autres qu'il y avait derrière. On est dans les stats finalement. On est dans les stats. On a beaucoup de skill up intéressants. Finalement, le compte va prendre un petit peu. On va prendre un petit peu son envol. Si tant est que j'arrive derrière à bien farm et avoir de la luck aussi sur les runes, hein, ce qui est encore autre chose. Donc on va de ce pas se monter la petite minette avec avec la famille, hein. Tout simplement, hein, tant qu'à faire. On a les skill up, on en profite. Alors j'ai eu la chance sur Myriam, j'ai fait mes skill up et j'ai eu les deux skill up sur le S2, là j'ai gagné les tours, donc c'est sympa. Ici qu'est-ce qu'on a, la frappe puissante, ok. Frappe puissante, donc là par contre le skidor a rien pris, hein. Martèlement il a pris qu'un niveau. Bon, c'est pas grave, on peut pas tout avoir non plus. Moi de mon côté je me rebalance les runs donc pour continuer à monter les petites minettes, les forgerons là. Donc on va mettre Myriam avec. On va regarder au runage. On va aller regarder un petit peu de plus près au runage et puis on va profiter un peu de ce qui reste en rep pour aller finir tout ça. Voilà, bah écoutez, un vrai plaisir pour moi, franchement. Bah, un beau Noël, je peux pas dire le contraire, même si c'est pas les drops attendus, les drops que je voulais, évidemment. Bah, on trouve toujours à redire de toute façon dans ces coups de temps-là. En vrai, on va pas faire la fine bouche, hein, non plus. On va pas faire la fine bouche. On est bien sur les drops. Molly, quoi, Molly, ça va être super, quoi. Vraiment, j'attendais aussi un petit peu depuis un moment la Molly, parce que, ben... en la croisant, en voyant à quel point elle peut être casse-pied, c'est plutôt cool de l'avoir du coup dans mon rang maintenant, hein, dans ma box. C'est plutôt sympa. On va étudier tout ça, on va monter tout ça. Et puis ben, joyeux Noël à tous, hein. J'espère que vous avez bien profité de votre réveillon, de votre journée de Noël. On sort un petit peu de Noël, on va se diriger gentiment mais sûrement vers le jour de l'an. Ah, attention, garrot rogueleton, garrot cuite, attention sur la route. Et ben, on croise les doigts pour que les restrictions ne soient pas trop pesantes sur les conditions dans lesquelles on nous autorisera, entre guillemets, à fêter le nouvel an. Soit dit en passant, je peux vous dire que nous, on s'est prévu quelque chose et on n'est pas prêt de s'en décarrer parce que à un moment donné, ça fait quand même 2 ans que ça dure et on a les vaccins, on a tout ce qu'il faut. Et puis les gens qu'on fréquente, on sait qu'ils sont pas cas Covid, hein, de toute façon. Donc voilà, on va en profiter de notre côté. Le jour de l'an va se faire. Prochaine grosse semaine, je pense que ça sera pour le printemps. Hein, je pense qu'on verra pour les 8 ans. On va se réserver pas mal de trucs pour les 8 ans parce qu'il y aura forcément du velin un peu spécial, donc on va préserver un peu tout ça. Et puis bah, j'espère que vous êtes un petit peu régalé. J'espère que j'ai été assez talentueux pour meubler correctement tout ça. J'ai pas trop eu le temps de voir le temps passer. Il va arriver 1h du matin, j'ai pas l'impression d'y avoir passé quand même 2 heures, hein. Mais c'était sympa, je suis assez content. Ma savana, la Molly, les forgerons qui ont l'air vraiment des supports extrêmement cool.
La feu, l'avant en tout cas me donne envie de les jouer. Là-haut, on va étudier le cas parce que je ne connais pas du tout, je suis pas encore allé check, mais on a tout ce qu'il faut pour se la monter bien comme il faut, 5 stars, avec déjà du skill up, c'est déjà pas mal. On va pas, voilà, on va pas tergiverser, on va travailler sur le Carcano, on va travailler sur le Kmoun. On va commencer aussi à travailler peut-être sur le Yunou, hein, il sera temps parce qu'on a un peu de skill up aussi. Voilà. On a tout ce qu'il faut pour se step up encore un petit coup. Le prochain FRR, ce sera pas ce samedi-là, parce qu'on sera le premier, donc ça sera décalé d'une semaine. C'est tant mieux, parce qu'en pleine fête, on sait qu'on sera peu, à mon avis, à le faire. Et puis, bah, moi, de mon côté, bah, je vais pouvoir prendre des conseils hein, chez les gros comptes, chez la team Dino. Hein, si vous avez 5 minutes à perdre au prochain FRR. Bitbull, je sais que je peux compter sur toi, tu me l'as dit, il n'y a pas de problème. Et un gros big up, un gros merci. Moba aussi, hein, Mobancore, hein, qui m'a proposé aussi un gros coup de main, notamment autour spécifiquement des devs sièges, que j'aimerais quand même faire un peu plus de... Ouais, faire un peu plus de résultats, être un petit peu plus résistant. Et puis, peut-être aussi, étudier des belles offenses, quoi. Du coup, hein, on va avoir de quoi faire. Donc voilà, belle soirée pour moi. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Et profitez des fêtes. Hein, et puis, je dis à une prochaine. Hein, on fera peut-être une récap, un de ces quatre. On va voir un petit peu le calendrier, comment on peut goupiller ça. On va essayer d'être présent un peu cette semaine. En tout cas, voilà, je vous invite à me lâcher le petit pouce vers le haut. Ça me ferait vraiment, vraiment, ça serait un gros soutien. Lâchez quelques coms, hein, n'hésitez pas à commenter les conneries que je raconte. Je sais que j'en raconte des tonnes. Après, bon, je sens aussi que je commence à avoir une connaissance du jeu un peu plus fine. Donc, peut-être un peu moins qu'à une certaine époque. Je continue de raconter toujours des belles conneries, c'est pas bien grave. Mais n'hésitez pas à les commenter, ces conneries-là. Bébert, n'hésite pas à revenir sur la chaîne pour me dire, pour me recadrer sur les devs Catnat et compagnie. J'ai encore souvenir de l'histoire d'une compo Carcano-Riley, qui n'a rien à voir, qui n'a aucun sens. Donc voilà, moi c'était un gros plaisir et voilà, la bise à tous. Joyeux Noël, bonne année, fêtez-moi bien ça proprement, correctement, dans la bonne humeur et puis dans la santé, dans la forme quoi. Allez, ça m'est difficile de vous dire au revoir tellement j'ai passé une bonne soirée, j'ai envie de prolonger le truc, mais à un moment donné, faut cut quoi, à un moment donné, faut cut, donc écoutez, je vous dis cut. Ciao, c'était Papy là-haut.